Hey, coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va les gars? Passez un bon dimanche. Ah, je viens de retrouver une chemise, c'est déjà ça. Il y a du bordel, mais il y a du travail de fait, c'est pas ce que je me tue à vous dire des fois. Je sais bien que c'est le bordel, je sais bien que c'est soleil et tout ça, je suis très conscient. Mais voilà. Moi, je ne suis pas là pour trier les lentilles. Je suis là pour tout remettre en route et en règle. Voilà. Donc, j'en ai encore fait une aujourd'hui, je pense. Je ne vais pas démarrer, hein, la diesel. J'ai travaillé tout l'après-midi dessus. Là, il est 5h30, il fera bientôt nuit. Hein. Logiquement, dans 2 ou 3 secondes, on n'y verra plus rien. Comme ça, j'oublierai les outils, enfin, comme tous les soirs. Les coffres ouverts, ma soeur est obligée de faire le tour derrière moi, c'est honteux. Désastreux. Je fais trop de mécanique, je me crève trop. C'est beaucoup trop crevé. Pour rien en plus, hein, parce que pour moi c'est l'état de ferraille, quoi. Mais bon, c'est la vie. Je ne veux pas manquer à ma parole, hein, j'ai promis de le faire, je le ferai. Voilà. Mais je pense que je vais prendre des sacrés congés. Parce que là. Là, ça commence à me bander. Pour ça que le projet GTL, je sais pas. Hein. Voilà. On va voir ça. Hein. Là, ils ont annoncé 2-3 jours de bon. Là, c'est vrai que. Ce qu'il faut qu'il fasse bon, hein, comme elle est dehors, elle roule pas, tout ça. Je verrai, hein, si j'ai le temps. Voilà. Parce que j'ai pas que ça à faire. Il faut que je répare une autre BX aussi. J'ai la mienne à réparer. Bon, tu me diras. Elle est assurée, elle est en règle. Faut rester comme ça. Mais moi, j'aime pas ça. Après, elle va retomber aux oubliettes, et je vais en acheter l'autre, tout ça. C'est pas bon. Voilà. Alors, j'ai dit que ça marche bien. J'ai un truc à faire, hein, parce que je pense qu'il y a de la saleté dans le réservoir. C'est évident. C'est quand elle se secoue trop, elle déconne après. Je pense qu'il y a de la merde dans le réservoir. Voilà. Ou l'essence, ce qu'il y avait de la vieille essence. C'est possible, ouais. C'est très possible. Donc je vais la démonter. Peut-être c'est la jauge, hein, parce qu'il y a une espèce de filtre dessous la jauge. Peut-être c'est ça qui est obstrué. Ouais. La TXE était propre là-dedans. Je l'ai siphonné, parce que j'ai changé la jauge, j'ai changé les tuyaux, c'était pas les mêmes. J'ai descendu un peu le réservoir pour le faire passer, c'est un peu la merde. Mais j'y suis arrivé, voilà, j'ai rien cassé, étrangement. J'ai démonté proprement pour remettre sur la GTL. Que GTL, il faut l'habiller aussi. Il faut y mettre un réservoir, il faut y mettre le truc de roue de secours, il faut y mettre un échappement, il faut y mettre des freins arrière, etc. quoi. Il y a du taf là. Là, vraiment. Là, c'est un des plus gros chantiers que je fais, hein, de ma vie, hein, c'est certain. Voilà. Ça sera à mon honneur, mais voilà. Si le cœur m'en dit, si j'ai que ça à faire aussi, parce que j'ai. Voilà. Je ne peux pas être partout. C'est très crevant, hein. Je sais pas si vous imaginez, mais vraiment c'est très crevant. Voilà, et encore, je n'ai pas fait la ferraille et tout ça, parce que bon, la Broadway, il faut qu'elle parte. Hein. Donc on démonte tout, mais si j'ai pas le temps de mettre la pièce sur la voiture, eh bien, je les mettrai dedans. Hein, puisque si je l'utilise, ça sera pas perdu. Hein. Okay, je claverai la voiture et basta quoi. Et l'autre partira en enfer et nous foutra la paix. Voilà, c'est tout. Voilà. De toute façon, on va aller voir un truc. Je vais vous faire voir un truc. Parce que j'ai quand même pris la bonne décision de changer la caisse. Hein. Je pense, j'ai quelques idées folles, mais. Alors, il y a. Comment il s'appelle déjà? Bon, je sais plus comment tu t'appelles, voilà. Qui dit mais j'aimerais savoir comment tes voitures passent au contrôle, mais mes voitures elles freinent, elles éclairent, elles démarrent, elles roulent, voilà, tout correspond, numéro de série, tout, elles se cartorisent en règle, pas volées. Pourquoi elle passerait pas quoi, je veux dire, avec tout le travail que je fais sur elle, honnêtement, pourquoi elle passerait pas quoi. Celle-là, oui, quoi, je comprendrais pourquoi elle passerait pas. Parce que quand vous voyez ça, quoi, et encore j'ai gratté légèrement, mais ça fait tout le tour. Hein. Voilà pourquoi je préfère changer de caisse. Quoi. Là, n'en parlons pas. Là où tu mets le cric, c'est le cric qui monte, mais pas la voiture. Donc, il y a un moment donné, voilà, faire changer de caisse. L'autre n'était pas en règle, mais maintenant elle l'est. C'est tout. C'est tout simplement. Tu
fois, il y a une baguette de bas de caisse, elle va aller sur la GTX. J'en avais perdu une, je ne me rappelais pas. Toutes les serrures vont aller sur celle-là, parce que j'avais tout piqué, c'était les serrures électriques, commande infrarouge et tout, donc je les ai foutues sur la noire. J'avais acheté celle-là pour retaper la noire et la GTX. Voilà. Et non, la GTX, il y avait un moteur Volvo Turbo dedans, ouais, et je voulais la transformer comme ça, et finalement j'ai abandonné. Voilà. Et de toute façon, quoi que tu mettes comme moteur, si par exemple, je sais plus, tu m'as dit que tu avais une 207 ou je sais pas quoi, là. Si c'est une essence, ben, tu peux mettre un V6 dedans, mais essence, voilà. Sinon, si tu mets un diesel, ça passera pas. Mais si tu respectes le carburant, tu n'auras pas de problème contrôle. C'est pas au contrôle que tu auras le problème. Si tu viens tuer quelqu'un et qui remarque que tu as un moteur TGV, là, c'est possible que, voilà. Bon, mais rentrer dedans, la TDE. La TDE, c'est une caisse TX électronique. Le moteur RZ9 Turbo D. On met rentré dedans, je n'étais pas en tort. La voiture était expertisée. Il y avait les jantes en 14, celle qu'elle a, hein, je veux dire. Rien que les jantes, l'intérieur, le compteur turbo, et il a tout pris en photo, le gars. Hein. L'expert, hein, et bien, la voiture est toujours là, quoi. J'étais remboursé, elle a été réparée et tout. Hein. Donc, j'ai été voir un carrossier à côté de chez moi. J'ai dit, tu crois que cette voiture va passer l'épave, comme elle n'est pas. Elle n'a pas d'origine, tout ça. Ah non, non, ça risque pas. T'as pas de soucis à te faire, il m'a dit. Carrossier. Carrossier, ça fait peut-être 30 ans hein, qu'il est carrossier. Donc, tous les jours, il envoie des experts, des situations folles, il envoie. Hein. Donc, non, non. Je ne fais pas n'importe quoi. Je ne suis pas un danger public. Je l'ai eu été quand on m'énervait. Mais non, maintenant, ça s'est calmé, tout ça. Mais après, je peux le redevenir aussi, c'est pas pareil. C'est au feeling. Non, je plaisante. Enfin, je plaisante à moitié quand même. Parce que quand on cherche, voilà quoi. Bon. Du coup, on va aller voir la Broadway. Je sais que vous en crevez l'envie. Mais ouais, il faut garder le suspense. On fera ça à minuit, tu sais, quand on verra plus rien et tout. Ce sera marrant quoi. Non, genre que ça me gave là. Là, j'ai envie de rentrer, de me reposer. J'ai chopé la crève, j'ai chopé tout. Des moustiques, des. Là, il y a une araignée qui m'avait piqué, là, et ça part pas. Je vais y mettre un produit. Enfin, je pense que c'est une araignée. Parce que, j'ai jamais eu un bouton, tu sais, aussi chien. Voilà. Souvent, hein, en bas, quand je vais en bas, il y a des toiles d'araignée, tu fais pas gaffe, t'en prends, même dans les casses, hein, il y a la casse du puits, là, il y a des toiles d'araignée partout, là, quand il fait beau comme ça. Là. Et souvent, tu as l'araignée dedans, hein, tu fais pas gaffe, toi, tu fonces dans les allées et tout. Et t'embarques les araignées avec toi, ça te pique et hop, dans le main, ah t'es, j'ai une rondeur. Seulement là, je sais pas, qu'est-ce que c'est, bon, on s'en fout. Ça fait comme un écusson en fait, c'est cool. Donc voilà, la petite Broadway va nous quitter. Hein. Qu'est-ce que j'ai démonté cette voiture? Mais les tuyaux d'essence, parce que c'est pas les mêmes. J'avais cassé quelque chose en démontant le moteur ici. Ça relie le câble d'accélérateur avec la pompe à injection. C'est une petite pièce en plastique qui casse comme du verre à l'hiver. Donc j'ai bien fait attention qu'elle ne se casse pas là. J'en ai récupéré une, machin. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça marche. Et du coup, eh bien, je vais récupérer les faisceaux des phares qui passent dans les longerons. Parce qu'on sait jamais, hein. Si des fois j'en sauve une autre qui a un problème de faisceau, bien je l'aurai. Il y a la crémaillère que j'ai refait à neuf récemment, hein, par les livres et tout. Il y a les moyeux, tout ça, là, ça va aller là-bas. Peut-être pas, la crémaillère est bonne là-bas. Donc celle-là, je vais la garder en prévision qu'il y en ait une qui déconne. Parce que je vais en acheter l'autre, les R11, c'est sûr. Et voilà, le berceau, bon, il est cabossé, hein, je vais le laisser dessus. Ça fera 10 euros de plus, quoi. Non, je plaisante. Il y a le klaxon, il y a les feux. Alors là, tu récupères carrément la platine entière, ça fout le camp et tout ça. Le système de frein, je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Et ce système-là, il vient de celle-là. Donc, il retourne à la case départ. Voilà. Le fil de masse aussi, des fois, bon, ça vient à déconner. Le câble de compteur, je vais récupérer. Le câble d'embrayage. Le support moteur. Or, il manquait le vis, hein, je comprends pas pourquoi.
le lave-glace, enfin, la suspension, je l'ai déjà mis là-bas, je crois. Celle-là, je vais la mettre là. Et une fois qu'on aura déjà les roues et tout, tu sais, ça ira vite. Hein. L'intérieur, c'est très facile. Les serrures là-bas, les lève-vitres là-bas. Le coffre, je me suis fait chier à en mettre un. Finalement, je crois que je vais le rechanger. Le bleu, là, il était pété. Alors, j'ai re-enlevé. Parce que les charnières étaient pétées. Dessoudées, carrément pourries. Enfin, tout ce que tu veux. Celui-là va bien. Mais par contre, faut mettre une vitre. Voilà. Faut mettre une vitre. Et pour l'instant, je n'ai pas le temps de le faire. Voilà. Il faudrait changer cette vitre et puis après, ma foi, tu remets tes sièges, d'ailleurs ils sont là, ouais. C'est pas très sorcier quoi. Un peu le rangement, un peu ci, un peu ça, les panneaux de porte ils sont derrière, devant aussi. Voilà quoi, j'ai toutes les pièces pour le refaire. Le tableau de bord il est là-bas. Le faisceau qui va derrière c'est le même. Phase 1, phase 2, donc il revient ici. Et le réservoir, tout ça va ici. La jauge à essence, je l'ai là-bas. Parce que c'est une jauge à essence qu'il faut, pas diesel. Et puis voilà, les freins arrière sont tout neufs sur la bordure là-bas. Donc ils viennent ici. Les roues, ça je m'en cave, mais je crois qu'elle en a. Elle. J'avais mis les roues potables. Voilà. La portière, je verrai. Hein. Voilà. Je pense pas. Enfin, je sais pas. Est-ce que je vais arriver à récupérer ça, je sais pas. Parce qu'elle est vachement tordue. L'aile aussi, ça, il n'y a pas de souci. Il faut que je remette des baguettes. Enfin, il y a du taf. Hein, vraiment, enfin, il y a vraiment du taf. Il y a vraiment du taf. Le plus chiant, ouais, c'est même pas ça en fait. Ce sera le faisceau. Tableau de bord, tout ça là. Parce que ça, tu le pointes un peu partout là. Parce que là, je l'ai coupé salement. Là, il faut le travailler un peu quand même. Mais quand on aura des roues, on la tirera là-bas, là où il y a la brodouée, et je travaillerai là-bas. Je tirerai mon enrouleur et je souderai là-bas. Et voilà. Et j'aurai une GTL phase 2. Ben, ma première voiture en fait. Voilà. J'aurai ma première voiture que j'avais. La carte grise n'est pas bloquée. Je suis très content. Et voilà. Impeccable. Il y a le moteur. C'est le seul achat que j'ai à faire pour cette voiture. Le moteur. Moteur boîte. C'est rien. Hein. Après, un petit contrôle, un petit. Ma carte grise qu'il faut que je refasse parce que je l'avais vendue à quelqu'un et cette personne me l'avait revendue, mais moi je n'ai jamais fait. Donc, je n'ai jamais refait. Moi, c'était juste pour. En cas que je veuille la recréer, quoi. J'ai bien fait. Hein, parce que maintenant, j'en ai envie. Donc, voilà. Et puis, ça recycle toutes les pièces. Il n'y a plus de pièces qui traînent. La caisse, c'était con de la jeter parce qu'elle est hyper saine, elle est peut-être même plus saine que la TXE. Donc, ah ouais, ça aurait été une phase 1, celle-là, je prenais celle-là hein, pour refaire la bordure. Mais là, il faut tout découper, c'est pas pareil, hein, traverse avant, c'est pas le même, enfin, voilà. Y a plein de trucs, enfin, il y a plein de trucs, non, mais rien que le cul, il faut les souder. Voilà. Le pare-brise est bon, impeccable, hein, je sais pas à le faire. On remet une antenne, on remet des gouttières de toit, un rétro, tout ça, j'en ai. Hein. J'ai tout. Hein. J'ai tout à côté. Donc, j'ai même le faisceau GTL, je crois. Parce que j'avais une GTL avant et j'ai un faisceau qui traîne. Mais ça, je m'en casse, je le prendrai à la casse. Je ferai suivre même les longerons. Les faisceaux des longerons, ils restent dessus d'ailleurs. J'ai plus qu'à les tirer. Donc voilà quoi. J'espère qu'il n'a pas jeté. Mais j'ai pas le temps moi, de toujours camper. J'ai même plus de remorque. Hein. J'ai plus rien. Donc, le moteur, il va. Je pense que tout ça, je vais le mettre dans la caisse. Hein, et on couvrira la caisse et puis basta. Je préfère que ce soit là que là. Parce que moi, j'ai trop besoin de la remorque. Hein, j'ai la ferraille à faire. Le J9, c'est pareil, il faut le vider, là, le machin. Parce que c'est pas un garde-manger, le machin. Je ne l'ai pas acheté pour ça d'ailleurs. Acheté pour rouler pour rouler ouais là dedans ça ira bien faut que je remette mes tôles là, parce qu'à force de pousser les bagnoles forcément ça pète j'avais un pote qui avait réussi à la remettre moi j'y arrive pas donc, même ça serait de moi je mettrais un contreplaqué ça irait très bien alors j'ai regardé la vidéo de JP Totor
Hier, il présentait, c'était hier ou avant-hier, un 751, avec un C15 et tout le bordel. Et il aime beaucoup ses Renault. Il avait un 651, il fauchait avec et tout avant, chez son beau-père. Il aimait bien ses Renault. Moi j'adore. Hein. Sinon, je l'aurais pas, quoi. Si j'avais pas, je l'aurais pas. C'est pas celui-là que je voulais, mais bon. Il est plus puissant quand même que celui que je voulais. C'est déjà ça. Puis je suis pas pressé. Il marche. Hein, voilà. Moi, c'est le principal. Au moins que ça marche, tout va bien. Bon, allez. Allez, ben, on va y trouver une petite place. Parce que là, il y a trop de pièces dedans. J'ai pas envie de stocker ça là-bas dedans. Et après, les chats, ils font tout tomber, tout se pète. Non, non, ça reste dedans. C'est parfait. La 4L, je sais pas, j'ai 2-3 personnes qui sont intéressées par la 4L beige. Voilà, la 4L beige, elle est là-bas au fond. Hein. Je vends pas la blanche. La blanche, elle est une boîte 5. Il y a 2 semaines de travail dessus. Il y a une cartouche collection. Non, je ne risque pas de vendre ça. Quoi. Ça, c'est sûr. 80 000 d'origine, enfin, etc. etc. Je ne risque pas de vendre ça. Surtout quand tu vois combien ils te vendent les épaves. Une comme la mienne, ils les vendent quasiment 1 000 balles. Alors, tu sais, moi, si j'en tire 200 balles, c'est bien tout. C'est le prix du girafon et du vitrage. Alors, tu sais, voilà quoi. Bon, la petite Broadway. Bon, j'ai toujours pas reçu mes autocollants Broadway. Elle le fera. Elle a acheté une machine pour le faire, elle le fera. Ça, il faut en mettre un là, il faut en mettre. La calandre gelée, elle est là-bas. Elle est là-dedans, la calandre. Ah, elle est là, plutôt. Ça, je suis un peu malade aujourd'hui, tu sais. Je préfère aller me coucher qu'à faire le zouave. Le zouave, c'est bien, mais ça paye pas. Je préfère me reposer dans ces cas-là. Diesel. Il n'y a pas de sel, mais c'est tout comme. Les petits vis. Qu'est-ce que j'en ai fait? Les petits tout. Parce que je vois arriver le coup que l'autre va tomber. Voilà, regarde, tu mets ça là, l'autre est content et tout. Putain. Ouais, ce serait bien qu'il reste dans les doigts. Je suis claqué, je mets la tête. Je ferrouille, ça va bien. Bon. J'ai mis ouais, l'huile de boîte, j'ai mis. Ah ouais, il manque la tringle. La tringle, oh, ça sera vite fait. Le temps qu'elle chauffe, on la fera. Si elle démarre, toujours pareil. Si elle démarre pas, il reste à voir. Parce que moi je tiens à la vie quand même. Je ne peux pas me ruiner la santé. Eh bien, ah, il est bordel. Il y a beaucoup de vis, mais aucun n'est bon. Voilà. Putain, mais je demande pas non plus. Tu sais. Je demande pas grand chose. Je demande un vis. Après tu prends ça, ah, tu fais ça, voilà. Là tu vois quelques coups par la droite, le t-shirt, j'ai pas de ciseaux là, hein, mais vraiment, oh putain, j'en fais un Marcel le machin, ah putain oui, mais c'est mon rêve en plus, hein. C'est vraiment, je rêve de me défouler sur ce truc. Il m'agace ce machin, même pas. Ça y connaît. J'ai pris le premier qu'il y avait, mais je t'assure que je suis pas du tout fier. Après, il faut que je fasse ma GTX, que sinon je serai bientôt en panne, à force de bouffer la merde. Elle marchera plus. Voilà, l'autre elle a retrouvé son museau et elle foutra la paix. Et celle-là, je fais que la réparer, cette voiture. J'en suis fier, mais mon pauvre, hein. J'ai tout fait, cette voiture-là. La caisse, le moteur de foie, mais alors sans déconner. Les freins, toutes les conneries possibles, je les ai fait.
Ça, elle vient de loin, tu sais qu'elle peut me remercier cette voiture. Mais bon, après, elle a une jolie gueule quand même. Avec ce bleu Montalou là, ça c'est magnifique ce bleu. C'est. Avec le gris nuage de la TDE là, c'est la couleur que je préfère. Voilà. Le rouge, j'aime pas. J'en ai deux, trois, mais à part la BX. La terre des turbos, elle sera rouge cerise. Là, oui. Mais j'aime pas rouge. Je trouve que ça fait trop tape à l'œil. La 205, elle est horrible. Elle est moche comme tout. Mais bon, on fait avec. On va pas y jeter un seau dessus et ça fera bien. Je vais mettre quelques riselants aussi au tuyau de carburant parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Mais bon, déjà, on va voir si ça tourne, s'il y a un souci. S'il y a un rat coincé dans l'admission, c'est très possible d'ailleurs. Le truc il va cuire et tout, il va exploser. C'est très marrant ça. Allez, on va essayer de se concentrer un peu. Voilà, le pied marche toujours. Bon, jusqu'à quand, je sais pas. Jusqu'à présent, il fait pas le con. La disqueuse. Qu'est-ce qu'il n'y a pas comme vraiment il y en a des choses hein. Les plaquettes cuites hein, mais qu'est-ce que ça fait là hein. Là ça fait un peu du bruit mais voilà c'est la mécanique les gars ça là ça prend un hectare quasiment un hectare à lui-même voilà hop c'est bon on peut y aller hein. Si le préchauffage marche logiquement ça devrait voir chaque fois on serre jamais les pinces je sais pas pourquoi je mets les pinces je les serre jamais il n'y en a pas besoin Et voilà. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez les rageux, mais j'ai l'impression que j'ai plus de compétences que vous. Je dis ça, je dis rien. Parce que j'ai pas fait de pré-démarrage avant. Hein. Le moteur était froid et il y a combien de temps que j'ai démonté ce moteur? Il y a
Putain, le moucheron de merde, je vais en avaler un. Il y a une semaine, peut-être. Alors, peut-être pas quand même, mais bon, voilà, 3-4 jours, 5 jours, allez. Et depuis, je l'ai démonté, je l'ai mis là-bas, vite fait, au tracteur en plus. Je te dis pas le bordel. J'étais pas précis du tout au tracteur. La chèvre, tu peux jouer, tu peux. Putain, mais c'est ça. Je suis pas encore mort, moi. Et voilà, aujourd'hui je me suis bien appliqué. Le réservoir vide, tout à l'heure il était, les tuyaux vides, tuyaux d'alimentation vide, tout était vide. Et tu vois, j'ai bien amorcé, même pas ouvert les électeurs ni rien, que là, amorcé la pompe pleine, bien dur la pompette, arme. Je nique pas mon démarreur, je nique rien, même pas Star Pilot pour tricher, tu vois. Oh, tu me diras, c'est une vieille voiture, c'est facile. Mon père le faisait, mon frère aussi. D'Artagnan le faisait sur son cheval quand il avait clapsé, il a mis une batterie et tout. Peut-être, ça c'est pas un problème. Mais je sais pas, comme je suis pas mécano, je m'y connais pas et tout ça. Écoute, je m'y connais pas, j'ai pas de diplôme, j'ai que dalle, j'ai horreur de la mécanique en plus de ça. J'y arrive. D'ailleurs, c'est capable de tout. Cette voiture a changé la boîte, l'embrayage. La GTX pareil, la boîte, l'embrayage. Voilà, les distributions sont à jour, donc je les refais pas forcément. Mais voilà, je pense que quand même, j'ai un poil de mérite. Pas un poil de la main, mais un poil de mérite. Voilà. Les poils de la main, c'est ceux qui critiquent dans leur canapé à sous de ma gueule. Voilà. Ça c'est des poils de la main. Voilà. Alors je vais la laisser tourner un peu, voir si l'eau circule. On n'est pas à l'abri d'un carlostat qui resterait coincé. On n'est pas à l'abri d'une couille. C'est pas non plus. La boîte a traîné. C'est la boîte de ma première société, je crois. Celle qui était née comme moi. J'ai mal à la gorge, désolé. J'ai chopé mal la merde et tout. Là. Tout le monde est malade, il me file la merde. Pourtant, moi je suis solide comme type. Hein. Je chope pas la crève comme ça. Mais bon, quand tu vis avec des mecs qui te crachent à la gueule ou je sais pas quoi, là, c'est pas évident. Bon. Du coup. Ouais, je parais méchant, mais c'est la triste réalité. Quand t'es malade, tu sais, tu tousses comme ça. Et tu fais pas. Et l'autre, il en a plein le pare-brise et tout. Non. Tu sais, à un moment donné, il faut respecter un peu les gens. Mais... Moi, quand je suis malade, tu me vois pas. Déjà, je m'isole. Mais eux, non. C'est limite, ils veulent te le refiler avec le sourire. Mais bon. Qu'est-ce que je te dis? Bon, ben voilà, on peut l'amener à la casse, ça, tu vois. Elle est bonne pour la casse. Écoute. Moi, je disais, il manque une baguette, tu vois. Là, il y est. Là, cette baguette, elle n'y est pas, là. Voilà. Là, elle manque un peu, faut que je la mette. Et voilà, mais moi j'adore cette GTX. Je crois que je vais refaire une demande d'achat. Je vais la racheter une deuxième fois. Comme ça, je serai sûr que la mort. C'est vraiment. Il n'y a pas un bruit, hein, tu roules. La 205, là, tu roules sur une fourmi, t'as tout qui fout le camp, ça claque le partout, c'est mort, c'est inconnu. Hein. C'est vraiment pas ma tasse de thé, ça. Mais voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? J'en voulais une, je l'ai eu. C'est ce qu'il faut dire. Et je la vends pas, non, ça sert à rien. Surtout que pour la vendre 500 balles, je l'ai acheté 500 balles. Donc, avec tout ce que j'ai fait dessus, le turbo, la boîte, l'embrayage, je crois qu'il est resté, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait à ça ? Un frein, un tout neuf, enfin. Et la reste, je te dis, t'as toute la direction à changer sur cette voiture. Les cardans, c'est apparemment toutes les 5 minutes là-dessus aussi. C'est très fiable. Les triangles, c'est 80 balles le triangle. Hein. Rien que pour la rotule de le triangle, quoi, celle qui est dessous. La rotule suspension. C'est 80 balles. Là, t'as 500 balles de nouveau à donner dedans. Alors que R11, c'est 7 euros, je crois, la rotule. 7 euros et il n'y a aucun bruit en plus. Donc voilà, PSA, je préfère, je te dis, il n'y a pas pour longtemps, je préférerais que ça, j'aurais que ça, parce que vraiment,
Elles ont, ces voitures, elles ont rien à envier aux Peugeot, meurent que là. C'est même Renotti, je sais pas si vous connaissez un peu le rallye, mais Jean Renotti le disait, hein. Il le disait dans une interview, c'est la voiture qui a le meilleur châssis et très solide. Ça, c'est pas les conneries. Hein. Parce que lui, c'était pas pour aller chercher du pain qu'il avait ça. Hein. C'était pour courser les Ford Sierra et tout à l'époque. Hein. Donc voilà. Et c'était pas la Sierra diesel. Hein. Enfin bref. Voilà. Je suis bien content. On laisse tourner. L'autre est contente. Les yeux qui brillent et tout. Et comme ça, moi, je peux me reposer un peu. Avec les moucherons, là, je suis trop bien. Là, putain, vraiment. Je peux en gober un là, comme ça et tout. Ouais, ça passe crème en plus. Non, je rigole. Je plaisante. Voilà. Donc, j'ai encore un projet restauration de voiture qui arrive, mais c'est pas pour moi, c'est pour un pote. Donc voilà, c'est un chantier quoi. C'est un chantier, c'est une BX. Hein. Faut que je répare l'hydraulique et je fasse la distribution et que je la passe au contrôle. Et c'est une BX que je connais depuis minot, tout petit. Je la connais cette voiture, c'est simple, je la connais depuis. J'avais. Je dirais 14 ans, 13 ans, 13-14 ans. Voilà. Donc il y a 25 ans. Il y a 25 ans que je connais cette bagnole et ça me fait plaisir de la refaire vivre, quoi, tu vois. Il y a 10 ans qu'elle n'a pas roulé. Il y a du boulot, mais bon. Voilà. Moi, mon job, c'est de la réparer et qu'elle passe au contrôle. C'est tout. Il n'y a que ça. Et je vais y arriver. Cliniquement, là j'en ai réparé trois. Alors, trois, on va dire, en un mois. Je sais pas combien de temps ça fait que j'ai l'autre poubelle ronde, là. Je sais plus. Enfin, il n'y a pas longtemps, mais voilà. Et ouais, et des chantiers, mouse costaud. Hein. L'autre, tu démarrais, c'était 13 000 tours. Qu'est-ce que là, cette voiture? Tu sais, moi, j'ai jamais eu ça de ma vie. Mais... bien une première, hein, comme on dit. Donc, un peu plus, c'est je répétais le moteur que je voulais mettre, tu sais. Ça, j'ai jamais vu ça sur le moteur Renault RV9 turbolé. J'ai jamais vu un moteur RV9 turbolé qui s'emballait, jamais. Que PSA, tout le temps. La BX que j'avais, celle qui est dans la grange, c'était la panne. Le moteur s'emballait. En plus, j'avais 20 ans à l'époque, tu sais, j'étais une brêle en mécanique. Je faisais comme tout le monde, quoi. J'allais au mécano, on t'enfilait, on te disait mais t'inquiète, ça va bien se passer et tout. Et finalement, tu t'apercevais que ça faisait très mal, quoi. Ça faisait vraiment très mal, quoi. C'était pas aussi glamour que prévu. Donc du coup, j'ai retroussé les manches avec mes potes, hein, et on a appris la mécanique sur le tas. Voilà, tout simplement. Et on n'est pas mécano du tout. Hein. Il n'y en a qu'un seul qui a un BEP mécanique, je crois, et il n'a jamais fait de mécanique de sa vie. Il n'a jamais travaillé avec ça. Il a fait ça, cuisinier, etc. On le verra sur la chaîne, de toute façon. Logiquement, il devrait avoir une TX rouge bientôt. Là. Je vais y veiller parce qu'il n'a pas de voiture, lui aussi. Et pareil, ce sera un chantier que vous verrez, mais ça va faire que passer, quoi. Il va être là, district, contrôle et casse-toi. Tout simplement. Parce que je la sens bien, cette voiture. Je la sens très bien. Un coup de polish, mais ça, il le fera, il sait le faire. Et moi je m'occupe de la mécanique. Voilà. Je lui fourgue une voiture avec laquelle il ne sera pas emmerdé. Simplement. Donc on va remettre les roues, on va aller au Bourbier de suite, hein, parce qu'il faut qu'elle arrête de se branler les couilles, toi, tu vois. Ou alors j'y vais avec l'Audi A8. Voilà. Et à fond. En plus je suis capable. Hein. Et moi j'ai des problèmes. Hein. Je suis un peu comme Eliakar. Hein. On est perturbé. D'ailleurs, il faut pas que je le voie, parce que je sens qu'on va finir en toile. Honnêtement, il y en a quelques-uns comme lui là. Bon, si un jour on se croise, ça va faire mal. Les voisinages, ils vont saturer le réseau téléphonique pour appeler les poulets. Ça serait trop marrant. Et voilà. Bon, on va remonter les roues. Je sais pas, le cric, il va être trop. Ah oui, merde, je la tringle aussi. Je fais la tringle vite fait et je vous reprends. Voilà. Bon, par contre, voilà.
Bon, ben voilà, ça fait un moment que ça tourne. Là, je change mes roues. Là, ça, il faut que je change un soufflet, je crois, à cette cardan. Là, je changerai. Là, j'aurai que ça à branler. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps, mon gars. Voilà, ça fait un moment qu'elle tourne, le ventilo il fait que ça, etc. Pourquoi? Bon, pourquoi? Parce que j'ai bien travaillé. C'est suite, quoi. Par contre, j'ai pas de marche arrière. Hein. Faut que je... Pareil que celle-là, faut que je règle la chaîne. C'est pour ça que. Je vais essayer de le faire maintenant, j'ai pas envie. Mais, voilà. Si je fais pas, je marchera pas. Donc... Je vais faire mes tréteaux comme je fais d'habitude. Allez, je reprends. Bon, eh bien, ça fait au moins 5-6 fois hein, que je règle, toujours pareil. Je vais essayer une dernière fois. Là, ça, il me semble qu'il y a du mieux, mais elle passe toujours pas la marche arrière. Elle n'est pas loin, mais voilà. Je réessaye une dernière fois, après j'arrête. Parce que j'ai celle-là, là. Faut que je la siphonne, voir un peu la saleté qu'il y a dedans. Parce que je pense qu'il doit y avoir la saleté. Voilà. Bon, j'arrête là, hein, parce que je trouve pas. Donc, il fait nuit, de toute façon, je préfère finir celle-là. Parce que ça, 5 minutes. Et caprice, j'aime bien ça, mais faut que ce soit, tu sais, qu'il y ait une raison, quoi. Et voilà. Hop, allez, on attaque ça. On va regarder la guette assez. Voilà, ainsi de suite, quoi. Pourquoi est-ce que je chante pas? Pourquoi du commun, c'est pas trop mon prix, comment tu sais. Alors, là, après là, tu mets le baf, lui. Une petite baf, deux baf, à son pote, sinon il va être joli. Voilà, l'autre aussi, l'autre enflure est pareil. L'autre enflure, il faut l'étrangler. Ah, c'est du boulot, les gars, c'est du boulot. Que je l'ai déjà démonté, je crois, ce truc. Mais il y a une... quand j'étais mob, quoi, tu sais. Voilà, tu vois. Et cette durite, elle me plaît pas bien. Joseph.
Tu me diras. Tu me diras Saint-Joseph parmi l'autre, mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Ça faut voir quoi. Hop. Celle-là, là, l'autre, on part. Voilà. Après, elle consomme pas bien, je trouve. Vraiment, je sais pas si j'aurais pas laissé avec le truc. J'ai tordu l'oreille. Eh ben oui, mais il faut bien le défaire, le truc. J'ai l'impression que là on a fait le tout là. Le tout du monde en 80 jours. 80 jours. Le tout du monde. Le tout du monde. Le tour du merde. Ah non, ça c'est. Ouais, c'est fait ça. Allez. Allez. Oula, une jauge hors le bord. Ça c'est une jauge. Ah mais elle avait bien l'ordi de bord cette pute. Salope le bagnole là c'est mort. Ah mais d'accord. Ah putain alors. Putain la merde et tout ça. Mais déjà ça vient pas de là, hein, parce que le filtre est nickel. Voilà. Par contre dedans c'est propre aussi, hein, tu vois. Pourquoi si, etc. Et voilà. J'en sais rien, pourquoi si. Hop. Pourquoi si je remets, parce que ça sert à rien de laisser d'effet quoi, sinon je pourrais pas rouler. Hop. Ah il faut parler tu sais vraiment comme s'ils sortent du nid quoi, tu sais. C'est incroyable. C'est incroyable mais vrai. Le jean, qu'est-ce qu'il a le jean? On habillé comme un cracou, sans déconner. Ah ouais, vraiment, je connais des vrais cracous, ils sont en meilleur état que ça. Après, ils sont pas intéressants, quoi, ça fout. Voilà. Donc, après, cracous, quand on pourrait parler, j'en sais rien, moi. T'sais. J'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Et ainsi de suite. Voilà. Ainsi de suite. Pourquoi est-ce que... Bon. C'est qu'il est lui. Toujours le gros porc hein, qui me casse les couilles. Le gros c'est ça. C'est que des connards. On rigole. On connaît des gentils. Moi j'aime tout le monde, moi tu sais. Voilà. Mais le gros tuyau, j'aime pas. Ça fout la merde, tu vois. Celui-là là, il. En plus il est ridé, là, l'autre, le truc il a au moins 90 ans. Quoi. 90 ans et je sais pas combien de printemps là, je sais. Ah, c'est la vie, je sais bien que c'est la vie. Voir est-ce qu'on pourrait visser le bordel sans être inquiété de quoi que ce soit. Putain, mais... Ah non, mais l'autre, il est vraiment... C'est vraiment une ordure, celui-là. Toi, tu viens ici, c'est pas toi qui fais chier, je pense. Et puis avec une main parce qu'il faut filmer et tout ça, c'est pas évident. C'est... Il faut filmer, ouais, mais bon, c'est après. Il faut bariner aussi. Il faut bariner, ouais. Mais tout ça, on a l'habitude, nous. On est vraiment habitué. Alors, le report, on sait qu'il est. Il est là. Celui-là il a l'air d'aller au bercail là. Là il a l'air d'aller là, ça a l'air d'aller là, ça on connaît putain. Tout a l'air d'aller pour le mieux quoi, tu vois, les oiseaux chantent, enfin, il fait nuit,
j'ai mal partout, etc. Attends. Attendez les gars, non, c'est pas fini. C'est pas fini les gars, c'est pas fini. Oui, je suis un peu cinglé, mais j'aime ça, moi. Putain, qu'est-ce que j'aime faire le fou? C'est un truc... Sérieux, c'est pas intéressant. De toute façon, quand t'es sérieux, on l'est pas avec toi, donc autant pas l'être du tout. Ça, on est. Y a pas de déception, y a rien. Y a pas de prise de tête, y a pas ci, y a pas ça, y a pas... Tu vois, y a pas tout ce truc, tu vois. Eh, ma pote. Alors j'essaye que tu voyes quelque chose et que moi aussi, parce que quand même moi c'est plus important que toi, et sinon on va y passer un moment quoi. Mais tu vois, je dirais que il va y avoir un problème tout à coup. Il va y avoir un problème avec ce gros porc, hein. Il faudrait qu'il maigrisse un peu, je pense. Celui c'est vraiment un porcasse, tu vois, il est débraillé et tout, hein, t'as vu. Il est braillé. Oh, quelle pute alors. Mais moi, je suis vraiment excellent en fait. Attends. Là, regarde, tu pinces un peu le bide, l'autre, et ça y est, le froc est souffert. C'est pas dit que ça marche bien parce que d'un coup, la cicatrice, là, l'autre, il va finir le cul à l'air. Pour pas dire autre chose. La zézette, la zézette. Eh oui, mais écoute, faut pas sortir la zézette hein, quand il y a du monde. Voilà, parce que après il se peut qu'il y ait encore plus de monde après. Il se peut qu'il y ait crève dalle. Voilà. On visse un peu le truc, tu vois, ça. Je finirai après parce que ça fout la merde aussi des fois. Ça des fois c'est un peu susceptible. Et oui, je fais la musique comme les Africains, pareil. Baila, 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 baila. Et voilà! Et voilà! La frangine avait appelé les pompiers, d'ailleurs l'autre lui dit c'est plus la peine. On peut plus rien faire. Oh putain! Oh, il bave, il crie, il tape partout. Mais moi j'aime bien ça. Ça me dérange pas. Putain, qu'est-ce qu'il irait là-dessus? Ça c'est un enfant de pute ça, celui-là. Ah, il n'y a pas de doute, celui-là, mon pauvre. Tu vois qu'est-ce que c'est celui-là, en plus c'est pas l'essence ça. Ça je crois que c'est la mise à l'air libre. Parce que l'essence c'est ces deux. Oui je sais, tu vois rien, il fait nuit, comment ça se fait, t'as pas honte, oui je sais, tout ça. Voilà. L'essence c'est ces deux. Ces deux ils vont sous la caisse. Il y a certainement le gros donc c'est l'alimentation et l'autre c'est le retour. Voilà. Il passe sous la caisse comme les tuyaux de frein mais côté droit. Et ça là, je n'ai jamais vu moi dessous. Donc il doit aller certainement à la trappe à essence celui-là. Et l'autre il doit partir en couille. Voilà. Il ne sait pas où c'est qu'il en est de sa vie. Donc il en fout là pour pas qu'il fasse pitié. Et... Voilà, simplement quoi les gars. Ça met l'autre putain ça. Et la pince passe pas. Et je sais bien, non, il va me dire pourquoi t'as pas pris la pince, pourquoi t'as pas coupé la voiture en deux. Mais... moi j'ai les réponses, moi, fais pas de soucis. Pourquoi si. Vous inquiétez pas les gars. Non, vous inquiétez pas, le canapé va pas s'inverser. Je sais, voilà, je le vois d'ici. Mais lui par contre il me plaît à moitié. Parce que là il est rentré tu vois. Et on peut pas plier plus parce que tu sais c'est un peu fragilou les trucs chinois là, un peu comme les 205. Voilà. Là c'est la fin, tu vois, il n'y a que ça. Et je parie qu'il pètera. Il pètera cet enculé, c'est sûr. C'est une putasse. C'est écrit. C'est écrit dans le livre de la jungle.
Là, tu vois, faire comme les femmes, hein. T'enfonces à fond et après tu t'échappes. Ça tient jamais, ce machin. Bon, ben voilà, on a rebranché la jauge, la voiture va exploser, c'est nickel quoi. Je demande que ça. Va se reposer aussi, ça c'est clair. Parce que là j'en ai ras le cul. J'en ai ras le point arrière. Voilà. Ceux qui connaissent un peu la mécanique, mais voilà, un point avant, un point arrière. Putain, mais j'ai mal partout, mon pauvre. Les voitures soviétiques ou je sais pas quoi. C'est pour eux. Hop, on remet le tapis. Bon, c'est très sale, hein. C'est pas de la rouille, c'est très sale. Hein. Je sais pas, pourtant, moi, j'ai rien renversé. Ça va être l'ancienne personne qui a fait ça. Pourtant, c'était une femme. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, Joseph? Il y a un truc là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu peux me le dire, hein, ce qu'il y a. Voilà, rentre là. N'en fais pas. J'en veux pas. Eh bien, là. Et toi, pareil, les caprices? Non, si, non, si, non. Les belles enceintes. Ça, c'est les enceintes, les gars. C'est pas le chat public. C'est pas le chat, maintenant. Voilà, t'as vu, tu remets ton tapis, comme ça les gens ils s'essuient avant de rentrer et tout. Enfin, voilà. Comme chez toi, quoi. Tu remets ça parce que tu sais, faut pas que tu passes pour un branlot. Voilà, ainsi de suite quoi. C'est le marteau, tu le pousses un peu, tu fais ça, tu fais style de faire quelque chose. Voilà. Tout ça, ben, poubelle, hein, sur la plaque choc. D'ailleurs, c'est à cause d'elle, hein, que j'ai baryné sur la tringle. C'est en fait, ça l'a trop serré, elle a fait que je redevisse sous. C'est rentré un peu en force le bordel. C'est pour ça que. Bon, on va démarrer à 4L. Voilà. Quasiment ça. Hein, hop. Allez, on va mettre un poil de saloperie. Ah, je vais éteindre doucement net, tu vois, là je le repousse un peu. Là c'est presque trop. Allez, on va laisser tourner un poil comme ça. Faire la conclusion. Et voilà, je suis rentré. Et voilà. Alors, et voilà, je me caille un peu aussi, c'est tout à fait logique dans ce coin de merde. Hop là. Ah, mais je suis rincé, les gars. Mais vraiment, j'ai mal partout, j'ai froid partout. J'ai faim un peu. Pour une fois, j'ai pas beaucoup faim. Ouais. Bah, c'est normal là, quand t'es. Comme t'es moitié fatigué. Voilà, j'avais un problème avec le trépied, il voulait plus se fermer. Voilà. Donc il a bel et bien un problème celui-là. Parce que l'autre, il faisait jamais ça. Là, si je forçais, je répétais une panne. Donc j'ai éteint un peu de diplomatie, tout ça. Et puis après, voilà. J'ai rentré le truc. Bon, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'humour sans figurer tout ça. Moi, j'aime bien. Je prends l'autodérision, c'est parfait, ça correspond à toutes les situations. Mais voilà. Donc, ça me va, je suis tout crabe, la tête aux pieds. J'ai pris la terre dans les yeux, j'ai pris cette TX verte là, j'aurais jamais cru qu'elle était sale comme ça dessous. Hein. Vraiment, j'en ai bouffé de la terre. Hein. Oh là là, on croirait vraiment que c'est la Broadway, quoi, pour le coup. La Broadway, il y avait
Oh, il y avait 10 cm entre la crémaillère et la caisse de merde. Et carrément des blocs, tu sais, des blocs de pierre, il y avait le tout. Ça connaît cette voiture. Elle a vraiment du vécu, quoi, pour le coup. Voilà, donc la marche arrière, je sais pas. Hein, moi, j'ai jamais touché à cette tringle. La boîte Texo, elle a pas de problème parce qu'elle est sur la GTX. Hein, donc, il n'y a pas de. S'il y a un problème, c'est pas. Ça vient pas de là, je sais pas. La tringle, c'est sûr qu'elle est mal réglée. Hein, parce que, voilà. Mais tu sais, quand tu vois plus rien et tout, et puis l'autre. Celle-là là, qui tourne, il faut qu'elle tourne parce que c'est ma voiture principale pour l'instant. Donc, je vais aller faire bientôt mes papiers. Bon, là, ça presse pas. Et 220 balles, tu sais, je peux pas presser les données, quoi. Donc ça va bien. Et voilà. Je sais que sur internet on peut payer en plusieurs fois, mais je me suis déjà fait niquer de 400 balles. Donc c'est bon. Pour l'Audi A8. Donc je remettrai pas ça. Non, non. C'est bon. Quand je le brûle une fois. Je m'en rapproche pas. Et voilà. Alors rien de nouveau, et ben voilà. Hein. Bon, la mission est accomplie. Hein. Je voulais que ça démarre. Je voulais le ventilo tourne. Bon, il y a quand même. Et voilà. C'est cool, quoi. Hein, je veux dire. Hein. Amorcer les premiers coups, pas de redémarrage. Premier démarrage, le bon, quoi. Je veux dire. Je m'améliore. Voilà. Peut-être que finalement, on pourra faire quelque chose de moi. Non. Je vais éteindre le truc là que l'autre doit plus savoir qui c'est qui paye la tournée. C'était plutôt l'alcoolique. Voilà, je suis de retour les gars. De toute façon, je vais pas rester à des 100 et des 1000 parce que j'ai le nez qui pisse, je suis gelé de froid, enfin ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a, il y a 10 phrases. Hein, tu sais, j'ai ci, j'ai ça, voilà. Toutes les cases cochées, comme ça on va plus vite. Ah, je cours, en plus je suis asthmatique, moi j'ai de l'asthme à fond en ce moment, hein. Putain. Je dérouille, hein. Vraiment. Hein. Pour ça que. Normalement, il faudrait pas que je fasse ça. Hein. Je suis malade, je fais rien, et, parce qu'après je vais me niquer la santé, en France, ça c'est sûr. Mais bon, faut que je le fasse, pourquoi? Parce que j'ai pas le choix, quoi, je veux dire. J'ai beau régler pas mal de problèmes aux gens, moi les miens on les règle pas, c'est moi qui le fais tout seul. Donc, ou quasiment. Des fois, on me file un coup de main, mais c'est passager, on va dire. Voilà. Bon, mais je pense que de toute manière, demain, je vais pas m'acharner, hein, cette voiture. Hein, parce que là, faut démonter l'épave. Le top, ça serait qu'ils viennent dans la semaine. Voilà. On est quand? On est dimanche, je crois. Un truc comme ça, quoi. Ouais, il faudrait qu'ils viennent en milieu de semaine. Donc, ça me laisse une après-midi pour bien préparer tout ça. L'après-midi, les deux, tu vois, je consacre une petite heure à cette tringle. Elle marchait, la boîte à 100 000, putain, ça y connaît. La boîte à 100 000, j'ai pas arrêté le moteur pour la boîte, quoi, je veux dire. J'ai pas tombé la boîte, j'ai rien cassé, quoi. Non, non, je pense qu'il y a. La tringle devait peut-être elle a un pet, on le voit pas, et d'une boîte à l'autre, ben ça coince quoi. C'est bien cette tringle là, mais putain, quand t'as un problème, bonjour. Ça, je suis d'accord, hein. Mais bon, il y en a qu'une. Que les Peugeot et tout ça, il y en a 5-6, ça fait des petites, des longues, des très grandes, des rotules. Là, il y en a qu'une. Il y en a qu'une, ouais. Voilà, la TXE, enfin la GTX, j'en ai pas chié pour ça. Deux fois, je me suis repris. La deuxième fois, c'était la bonne. Écoute, c'est pas la fin du monde. Hein. Voilà, j'ai fait le plus gros. Hein, voilà. Je trouverai. Un jour, je l'aurai. Voilà. C'est vrai que j'en ai mon souk. Hein. De la mécanique, les gars, je sais. Vous dites, toi, mais t'aimes pas la mécanique, t'en fais tout le temps, mais je le fais parce que j'ai pas le choix. Voilà, c'est simplement ça, quoi. Je languis d'arrêter. Vraiment, ah pute. Ah oui, sûr. Hein. Je languis d'arrêter à fond, même. Hein, parce que là, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. Encore ça va, j'ai les pièces, machin. T'imagines s'il fallait quand j'ai des pièces et tout. Oula. Là, je crois que ça serait la fin des haricots. Voilà.
Ils ont lancé du beau, donc on va profiter de ce temps-là, hein, parce qu'on est quand même bientôt fin octobre. Et on va profiter de ce temps-là pour faire cette ferraille, voilà, calculer si je jette plus que prévu, ce qui est très possible. Hein, parce que voilà, j'ai pas envie de m'emmerder. D'ailleurs, ce que je pourrais faire, bon, elle, là, il faut qu'elle sorte, c'est bien beau, c'est le. C'est un vestige que j'adore et tout ça, mais il faut qu'elle dégage. Là, vraiment, elle me saoule. Ici, c'est pas un garage. C'est, voilà. Il y a une fosse, c'est fait pour réparer. Basta, quoi. J'ai envie de rentrer la future GTL, faire de la foutre au fond. Là. Même presque à la place de celle-là, quoi. Comme ça, elle bougera plus. Tant qu'elle sera pas. Et au moins, ils me feront pas chier, je veux dire. Je suis en train de la retaper. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Hein. Dans les rallyes, quand une fois, ils foutent à poil les bagnoles. Et eux, par contre, les voitures sont pas en règle. Hein. Eux, c'est les cartouches diesel et les moteurs turbo-essence. Là, oui. Là, je suis d'accord qu'il y a un problème. Là. Mais moi, non. Hein. Moi, il y a tout qui correspond. Donc, tout est fait comme il faut, quoi. Je ne suis pas idiot. Hein. Il y a quand même 20 ans que j'y barine, hein, ça. Hein. Donc, voilà. Hein. Je veux dire. Et surtout que c'est. Des professionnels qui me l'ont pratiquement appris quoi. Donc voilà faut pas non plus et il y a des professionnels qui le font encore voilà donc voilà, le sommeil le rhume tout ça bon, ça on a compris la continuité ça va être ça je vais mettre des trains roulants sur l'autre. De toute manière, ça va aller vite. Hein. Il faut mettre la flasque avec les freins carrément entiers comme ça. Là. Je défais rien que mon frein à main et le tuyau de frein qui va au cylindre de roue. Je mets tout ça entier là et je rattache mon frein à main comme ça. Si jamais elle m'échappe la voiture, je peux toujours freiner le frein à main parce que là il n'y aura pas de frein du tout. Hein. Là, il faudra pas compter sur mes nuits vitesses ou quoi. Il n'y a pas de moteur, hein, mon petit gars. Tu fous ça là-bas au fond et on fera ça à tête reposée un jour que j'ai rien à faire ou quoi. Parce que là, il y a plus important à faire. Là, faut tout débarrasser. J'ai un travail de titan, quoi. Vous vous rendez pas compte. Tous les bidons que j'ai, que je garde, il faut que je les planque. Hein, parce que eux, ils vont dire que c'est nocif ou je sais pas quoi alors qu'ils sont vides. C'est les bidons de collection. C'est les bidons de collection, je veux dire. J'en ai partout, tu vois. C'est pas. Je les ai achetés, quoi. Il y en a, je les ai achetés. Les bleus là, les elfes diesel, hein, j'étais le chercher à côté de Saint-Afrique, je crois que c'était. Hein. Donc et je les ai payés en plus. Hein, donc voilà, je veux dire. C'est pas des conneries, quoi. C'est le truc que je garde, c'est pas pour polluer ou pour jeter parce que j'avais plus rien à foutre et tout. Non, non. Du tout, c'est une collection. Voilà où j'habiterai, si Dieu le veut, malgré que. Tu sais, voilà. Il y aura des bidons partout. J'aurai un coin où il y en aura deux, trois ensemble. Chez moi, il y aura le tout neuf, le labo là-bas, qu'on voit. Tu vois. Le labo, il est là. Tu vois. Lui, là, il est al dente, vraiment. Hein. Ah ouais, putain. Ça, il l'a mis sous son établi, mais il va pas y rester. Hein. Parce que moi, j'y tiens trop, celui-là. Enfin, tout ça, de toute façon. À part le jaune, là, le jaune, c'est mon pote garagiste qui m'a filé ça, mais ça vaut rien. Un nid, c'est laid, c'est. Moi, je veux des vieux bidons d'époque, là, comme ça. Ça, j'aime. J'en ai un de l'armée aussi, avec les gros trucs, là, les rails, là. Comme on disait quand on était petit. Parce que quand on était petit, moi, je sais pas, j'avais 10 ans, peut-être. Hein. Et bien, on allait, dès qu'on voyait un bidon, on le ramassait et on jouait avec. Des bidons comme ça, hein. C'est vrai, en plus. Hein. C'est con que mon ami d'enfance, je le vois plus. Un de mes amis, parce que j'en ai plein, hein, que je le vois plus, celui-là, là. Celui qui était avec moi pour aller chercher la sasterès, qu'il avait peur des guêpes et tout, parce que lui il est asthmatique aussi, et s'il se fait piquer, c'est urgence. Hein. Moi je me suis fait piquer plein de fois, mais voilà. Il y en a qui sont sujets à ça. Et bien avec lui, quand on était petit, dès qu'on voyait un bidon qui nous plaisait, hop, on le prenait, on le ramenait aux HLM, on jouait avec. J'ai toujours aimé les bidons, toujours, toujours. Il y a plein de trucs comme ça que je faisais petit, qu'on me disait, mes parents me disaient. Ça te passera tout ça, au contraire, ça amplifie quoi. J'en ai des bidons, j'en ai une trentaine hein, au moins.
J'ai des petits en fer, je vous les ai peut-être pas trop fait voir. Il y en a un là, à côté de la Sibylle, là, sur là. On le devine un peu là, elfe là-bas, tu vois. Mais celui-là, il est pour moi ivoré. J'en ai acheté des tout neufs là, ils sont beaux. Hein. J'ai un style, j'ai des elfes, j'ai un peu de tout quoi. Et je voulais mettre un bidon par voiture, tu vois, qui va avec, avec l'époque, quoi. Les elfes dans les Renault 11 et tout. Ouais. Mais voilà, ils vont s'esquinter à force, tu sais. Tu vois bien, t'es en panne, tu jettes la caisse au-dessus dedans, ça tape le bidon, tu sais, ça va vite. C'est pour ça que bon, je suis pas trop prêt encore à ça, quoi. Il faut que je réfléchisse à un endroit où il risque rien. Puis les voitures qui roulent pas pendant 6 mois, il va rouiller, machin. Enfin voilà. Je sais pas. Je suis pas réfléchi encore. Mais ouais, j'ai toujours aimé les bidons. Voilà pourquoi j'ai tant de bidons. C'est une passion aussi. J'ai plusieurs passions. Hein. J'adore le billard, j'adore la pétanque. J'aime la musique. J'aime la bouffe. Hein, ça paraît obligé. Hein. Un taureau, ça bouffe, quoi. La bouffe et autre chose aussi. Les défauts des taureaux, quoi. Après, les voitures, ben, ça paraît évident, mais je me crève le cul toujours. La mécanique, c'est pas une passion, c'est une obligation. Voilà. C'est soumission même. Je vais dire soumission. C'est la seule soumission que je m'inflige d'ailleurs. J'aime les petites voitures, les miniatures. J'aime l'urbex, hein. Les lieux abandonnés, c'est pareil. Hein. Depuis tout petit, on allait dans des usines, on allait dans les anciens garages où il y avait les vieilles voitures. On adorait ça, moi j'adorais ça. J'avais une adrénaline à fond quand on y allait à fond. Au collège, pareil. Alors on était, il y avait un lycée à côté qui faisait carrosserie mécanique. Et à l'époque, il y avait des voitures partout. Des voitures d'essai, tu sais. Il y avait des BX, hein. Il y en avait 5-6, quoi. Il y avait tout le modèle. Et on jouait dedans. Celle-là, c'est la mienne, l'autre, c'est la tienne, tu sais. Ouais. Ouais, je me rappelle ça. Et c'était une voiture quasiment abandonnée, quoi, je veux dire. Voilà, c'était la personne installée quoi. Ils étaient à l'école, il suffisait de pas les casser, et puis c'est tout, quoi. Mais on le cassait pas. Il y avait une Eron 3 portes aussi. Bleu, une GTL. Phase 1. Elle était magnifique, ça, tu vois. J'aurais aimé la sauver, mais. J'étais trop jeune à l'époque. J'étais trop jeune. Et celle-là, on la faisait rouler. On se poussait et tout. On faisait les créneaux. C'était marrant. Je vais aller éteindre la voiture, parce que là, on sait jamais. Voilà, j'ai éteint l'autre alcoolique, que je ne savais plus de qui ça provenait le verre. Ah oui, là, il était dépassé, vraiment. Je plaisante, elle consomme pas plus que ça. J'étais à 20 litres. Là, je suis un poil en dessous. Je suis à 18, allez, on va dire. Tu vois, j'ai roulé. Hein. J'ai fait 150 km et j'étais à peine au-dessus de 20 litres. Donc, même plus que ça, 150, j'ai cherché quelqu'un. Amené, ouais. Parce que j'ai amené quelqu'un au travail, mais sa voiture démarrait pas. Et c'était une Toyota qui a 10-15 ans par an. Que j'ai réparé aussi hier. Voilà, j'ai dépanné comme je pouvais, j'ai suivi mon instinct, et voilà. Je devrais le suivre tout le temps de toute façon. Parce que chaque fois qu'on me dit quelque chose, c'est tout le temps l'opposé. Maintenant, on va s'écouter soi-même. Je pense que j'ai assez de vécu pour ça, hein, pour avoir confiance en moi. Donc voilà. Voilà. Donc oui, voilà, j'ai beaucoup de passion, ouais, l'urbex, j'ai toujours aimé ça, les voitures abandonnées, ça m'excite à fond, autant qu'une pin-up à poil. Et voilà. Mais bon, vous avez bien compris qu'ils y font la chasse, on trouvera de moins en moins d'endroits, c'est bien dommage, parce que vraiment, des camions, des voitures, tout ce qui est véhicule en fait, voilà, tout ce qui est véhicule abandonné, les tracteurs, vraiment, c'est le kiff total, voilà. C'est mon truc, j'adore. Voilà, j'adore, c'est une histoire, tu vois. Le château du Hibou, je sais pas si vous connaissez, hein, bon. Parce que là on parle pas mécanique, hein, les mécanos ils vont dire, qu'est-ce qu'ils racontent quand ils parlent de château. Oui, un château du Hibou, je le connais, hein, et voilà. Je l'ai fait. Mais j'ai pas fait que ça, voilà. Parce que juste à côté, en fait, juste à côté, il y a un corps de ferme. Hein. Un corps de ferme qui est encore apparent, hein, je veux dire, mais il reste que les murs. Hein. Parce que ce corps de ferme énorme, hein, mais vraiment énorme, là, ici à côté, c'est voilà, un vieux corps de ferme hein, qui fait ben, pareil, tu sais, t'as le bas, t'as le haut,
Mais énorme, hein. Ça là, en fait, cette surface qu'il y a là, tu vois, là, je dirais, il y a 200 mètres carrés grand max, peut-être pas quand même. Si, allez, 150-200, sans compter le bordel là, le bois. Quand je trouve pas, moi, je simplifie ça plus vite. Ça, le corps de fer là-bas, c'est peut-être, je dirais, trois fois ça. Ouais, il est énorme, hein, vraiment. Il est juste à côté. Je sais pas, moi, je dirais 30 mètres, 40 mètres, tu vois. Et donc, dans ce corps de ferme, en haut, il y avait un étage. Et en haut, il y a un savième qui est perché. Un savième qui, en fait, ça a cramé. Et le savième, il s'est perché à une poutre. Et il est coupé en deux, il est perché. Il est perché par le ventre. Un gros savième, hein. Un goélette, je pense. Un super goélette, un truc comme ça. Et en bas, tu as une 4LF4. Je pense qu'elle devait être en haut aussi. Elle devait être en haut, mais comme tout est descendu. Et il y a un R5. Et un Renault 5, comme j'aime. Il y a trois véhicules. Voilà. Et tu as la gazinière, tu as tout ça, parce qu'il y avait une partie habitation aussi. Et bien, ça, toi, ce lieu-là, je ne vais pas dire qu'il me fascine plus que le château, mais quasiment. Tu vois, je préfère même. Limite cette partie. Voilà. Ça va décevoir certaines personnes, mais pour moi, le château hibou, c'est pas terrible. Voilà. Mais par contre, ce côté ferme qui a cramé, ça m'intrigue. Il y a une dépanneuse dehors. C'est bizarre. Tu vois, il y a vraiment une dépanneuse goélette aussi. Tu vois, comme quoi. Ouais. Il n'y avait que du Renault, en fait. Hein. Il n'y avait que du Renault, le gars. Et j'aimerais vraiment. Tomber sur trouver l'héritier, ou je sais qu'il y a une mémé qui vit là-bas, et j'aimerais discuter avec elle de cette ferme, pas le château, mais de la ferme. Ouais. Il y a aussi un trésor dans la grange. Lui, il n'est pas cramé, par contre, mais là, vraiment, il y a un trésor. Je ne l'ai pas filmé parce que je veux que personne ne sache que ça y est, ce truc-là. C'est pour ça. Voilà, les gars. Parce que je peux pas tout filmer, hein. Voilà, je suis pas taré, quoi. Mais pour moi, ouais, je vais le sauver, ce truc. Je veux dire, c'est une fierté, hein, d'afficher ça sur YouTube. T'as trouvé un machin comme ça, mon pote. T'es le petit coq de la basse-cour, hein, mais tu mets en péril l'engin, quoi. Voilà. Et ça, il en est hors de question. Voilà, parce que moi, j'ai une âme de collectionneur et je veux surtout pas que ce véhicule soit endommagé par des crétins de merde, des enfants non voulus, tu vois, que les parents auraient dû se branler ou je sais pas quoi, pour faire des petits monstres comme ça. Voilà. Moi, honnêtement, si c'est pour faire des monstres, je préfère me palucher et regarder un film le cul, que pondre des gamins comme ça, là, qui vont te cracher à la gueule et tout plus tard, hein, ou agresser des femmes, ou va savoir, hein, faire des sacs à main, enfin, insulter les profs, tu vois, enfin. La mentalité de merde qu'aujourd'hui on vit, hélas, on la vit, on subit. Des gamins qui sont de plus en plus mauvais, hein, dans tous les termes. Donc, voilà. Ah oui, moi je préfère largement. Un bon film de cul, là, putain, ouais, pas mal celui-là. Ah, au moins, tu sais, t'as pas fait de conneries de ta vie. Ton gamin ne sera pas je sais pas qui. Voilà. Donc, je pense pas, hein, honnêtement, parce que tu sais que je pense pas être une mauvaise plante, hein, honnêtement, mais bon. Voilà. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux, mais c'est plus cher. Et moins cher, t'as souvent un souci. Tout simplement. Comme le top budget. Et donc, voilà, il y a ce petit trésor qui traîne. Je ne dirai pas ce que c'est. Hein. Il y a quelques abonnés qui savent, mais parce que très peu. Très peu. C'est même des amis que j'ai. Hein, donc, ils savent de quoi je parle, mais je ne le dirai jamais. Jamais. Par contre, les autres R5, ouais, si tu veux le défoncer, si tu veux le défoncer, tu peux y aller. De toute façon, je pense pas que tu la défonces plus, hein, honnêtement. Tu vas te faire mal. Voilà. Mais ouais, c'est un lieu qui m'intrigue et je vais enquêter. Je vais, ouais, j'appellerai la mairie, tu vois. Je demanderai, c'est à qui ce qu'on me ferme, tu vois. Ceux qui... De toute façon, il n'y a pas de mal, hein, je veux dire.
Il y a une maison aussi qui me plaît vachement du côté de l'Aurillac. Même, je dirais, c'est une villa. Je sais pas, en fait. J'essaie de trouver le bon terme qui correspondrait à ce lieu, mais je ne trouve pas. Je n'arrive pas à trouver le bon terme. Est-ce que c'est villa? Est-ce que c'est ancien manoir? Je ne sais pas. C'est un petit manoir, une grosse villa, tu vois. Pareil, qui a cramé, mais elle est sans sas. Elle est sans sas. Elle fout le jeton, il y a une forêt, c'est parfait quoi. Elle est parfaite. Vraiment, pour moi, c'est un lieu de recueil, tu vois, parce que la vie est pas terrible, tu vois. Elle reflète la vie. Elle reflète la vie d'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'elle me plaît. Elle me plaît vachement. C'est dans le monde dans lequel on vit, en fait. C'était un nain, ce gars qui apparemment qui vivait là-bas. D'ailleurs, il s'est tué pas loin de la maison. Voilà. Donc, mais je vais enquêter. Tu vois, mais le jour où je serai vers là-bas, parce qu'il faut que j'y aille, hein, faut que j'aille voir un joli tracteur, le tracteur de mes rêves, quasiment, parce qu'on va dire il n'a pas la cabine, tout ça, ça me faisait chier. Enfin, moi, je veux la cabine. Voilà, je ne veux pas emmerder à acheter une. Mais tu demandes à un transporteur de te la porter, il y a toutes les vitres pétées. Les vitres, c'est 700 balles, donc c'est bon. Voilà, je passe mon tour. Le mien, il marche très bien. Et donc, je retournerai là-bas. Je voulais filmer pourtant, hein, cet endroit. Je voulais filmer, ça vous a pas plu plus que ça. Mais putain, moi, j'ai kiffé, vraiment. Je l'ai trouvé tout seul. Hein. Parce qu'en fait, c'est un youtubeur qui l'a mis, cette exploration. Et j'avais pour seul indice aux portes de l'Aurillac. Et moi, à l'époque, je faisais la tournée pour John Deere, que j'adore. Et je passais toutes les nuits devant et je le voyais jamais. Je le voyais jamais. Et moi, je cherchais quasiment du mauvais côté chaque fois, après mon boulot. Voilà, je disais mon patron, bon, moi, je me suis arrêté de manger, mais en fait, moi, je campigeais pour essayer de trouver cette maison, quoi. J'ai passé 15 jours, je dormais pas la nuit, mais parce que moi, je suis vraiment un teigneux. C'est-à-dire, si j'ai pas un truc, c'est. Je fais la gueule, je suis. Ah ouais, moi, si j'arrive pas à faire un truc, je suis. Voilà. Je suis fermé, j'ai envie de rien, enfin, voilà, quoi, c'est. C'est comme ça. Moi, je supporte pas l'échec. Enfin, dans la vie. Dans la vie, je supporte pas l'échec. Moi, j'aime avancer, je suis un teigneux. Voilà. Au jeu, je m'en fous, moi, tu sais. Le jeu, moi, je déchire, je jette, même si j'ai gagné, j'ai rien à foutre. C'est pas ça, pour moi, gagner. Pour moi, gagner, c'est la vie. Tu vois, c'est avoir une situation, c'est avoir des gamins qui crachent pas la gueule des gens, tu vois. Une maison, tu vois, un foyer stable, des animaux, parce que je kiffe les animaux. J'en ai déjà pas mal. J'en aurai d'autres. J'en aurai d'autres. J'aurai une chèvre avec un bouc pour tondre la pelouse, hein, tout simplement. Et l'hiver, ben, je leur donnerai du foin. C'est normal. C'est ma famille. Faut que je m'en occupe. Comme les lapins. Comme les chiens. Même si c'est pas le mien. Ouais, ma foi. Voilà. Tu vois, ça c'est gagner, ça, dans la vie. Mais gagner au billard ou quoi, je n'en ai rien à foutre. Honnêtement, mon cas, ouais. Je m'applique, tu vois, mais des fois, j'ai même pas envie de jouer, tu sais, je m'applique pas, j'en ai rien à foutre. Parce que je pense à autre chose. Hein. Tout le temps, je réfléchis. Hein. C'est demain, putain, est-ce que je devrais faire ça? À cette heure-là, je vais aller voir celui-là. Tu sais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis un vrai ordinateur. Hein. Tu sais, c'est un truc. Et ça, il faut pas le faire, parce que sinon, ça craint. Et ça, il faut le faire, ouais. Il faut le faire à ce moment-là, tu sais. Tout le temps. Une vraie bête. C'est le cas de le dire. Ça, je dors plus trop. Avant, je dormais vachement. Mais depuis que j'ai travaillé la nuit, maintenant je. Non. Je dors juste ce que j'ai besoin, et puis après, voilà, je me lève, je fais ce que j'ai à faire. Et ça me va très bien. Avant, je dormais 12 heures. Hein. Si je ne dormais pas 12 heures, je n'étais pas en forme. Hein. Depuis que j'ai travaillé la nuit, mon pote, ça m'a métamorphosé. Alors, je suis quelqu'un d'autre. J'adore ça. Hein. La nuit, il n'y a personne pour me contrarier. Vraiment, c'est le top. Hein. Mais alors, c'est un truc de fou. J'aurais dû faire ça, mais alors, dès le début, quoi. Comme je m'endormais, j'étais sujet à m'endormir la nuit. J'ai dit, ah non, non, faut pas travailler la nuit, hein, ça te tue, mon pote. Hein. Et finalement, ça va impeccable. Mais alors, c'est parfait. Les premiers temps, ben, je m'arrêtais, je dormais 1 heure. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais expliqué dans une vidéo. Il y avait quelqu'un qui rôdait autour de la voiture, j'avais démarré à fond, je m'étais cassé dans un bois.
Et bien, à côté de l'Aurillac, bizarrement. Mais c'était le gros pas quand même. Je sais pas quel c'était, mais. Ou alors c'était un mec balèze, mais je sais pas. Mais comme le kangou, il n'y avait pas de vitre derrière, moi je dormais dans la caisse. Et l'autre, est-ce qu'il avait pas, été défoncé ce machin. Celui qui avait 860 000, là, il était défoncé ce machin. Alors, il n'y avait que le moteur qui tournait, et encore, et il a réussi à le farcir. Et hop, moi j'ai pas cherché à savoir, hein. Il y a pas de qu'est-ce que c'est instinctif. Le volant, l'autre il a démarré au quart retour, je suis bien content parce que des fois il démarrait pas au quart retour, et marche arrière à fond, il passait sur les roues, c'était pas grave. Je veux dire, ah ouais, là j'ai pas cherché à savoir, c'est. Ah ouais, comme un éclair, c'est. J'ai bien fait, je pense. J'ai vraiment bien fait. Voilà. On sait jamais, hein, tu sais, il y a des gens qui disparaissent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, hein, je veux dire. Les gamines, là, il y en a plein, encore une qui a disparu, je sais pas où là. Et puis soudainement, là, on a trouvé des ossements, là-bas, je sais pas où. Voilà. Voilà. Tu vois, des parents qui ont créé un petit monstre et qui niquent des gens qui auraient demandé, quoi. Ta propre gamine qui se promenait, qui rentrait à la maison. Et bien tu la reverras pas parce qu'il y en a qui ils auraient dû se branler, tu vois. Ils auraient dû se branler vachement. Et, ou mettre des capotes. Et pas faire des petits monstres comme ça. Parce que. Il y a un peu d'éducation, il y a un peu tout qui fait là-dedans, tu vois. Quand tu fais des petits monstres, déjà, c'est dans les gènes, hein. C'est con, mais quand t'es con, c'est que ça vient de quelqu'un, ça vient d'un de deux qui t'a créé, hein, ou même plus loin, des fois. Mais voilà. C'est pour ça que faut pas faire les gosses pour faire les gosses, hein. Non, non, faut les vouloir, les gosses. Voilà. Moi, j'en veux, c'est clair, mais j'en aurai, hein. De toute façon, moi, tu sais, jusqu'à 90 ans, je peux en faire. Hein. Je veux dire, même quitte à mettre un briquet sous le pont avant. Vas-y, attends. J'y arrive pas là, putain. Vas-y, rallume un briquet là. Vas-y, camping-gaz, c'est tout. Merde, je t'ai foutu le feu. Ah. Et alors, tu vas en toi à 90 ans, mais t'as foutu le feu à ta copine parce qu'elle t'arrivait pas à bander. Le classique, hein, le classique. Voilà. Donc, quand je retournerai à Aurillac, je vous ferai une brève vidéo sur le coin, sur cette jolie baraque. Surtout là. Là maintenant, avec les feuilles qui sont tombées, là, ça va être al dente. Ah ouais, vraiment, là, mon pauvre. Et c'est une maison solide. Hein. Je veux dire, il y a du ciment partout. Hein. En haut, en bas. Il n'y a que le toit qui a foutu le camp et les fenêtres. C'est tout. Il n'y a que ça. C'est parfait. Tu refais ton toit. Tu remets des vitres, un bon nettoyage. Et tu habites demain, quoi. Je veux dire, ouais. Ah ouais. C'est fou. Et un terrain de fou. Moi j'adore ça. Moi, je veux une forêt. Tu sais. Je veux une maison où. Ou un atelier ou une ferme, tu vois, de quoi bricoler, foutre tes poubelles entassées là, et du terrain, tu vois, du terrain, voir mes animaux qui se promènent, mes chèvres qui se courent après, les chats qui se disputent, tu vois, les lapins qui me caguent sur les genoux, enfin, je veux tout, tu vois, je veux qu'ils dégueulent au plus possible les trucs. Voilà. Pour l'instant, ça se fait pas, mais ça se fera, hein. C'est mon souhait, ça oui, ça, tu vois, je vais tout faire pour le faire. Et tant que je l'aurai pas fait, ça ira pas. Je vais me donner les cartes en main pour le faire, et puis on verra bien. Voilà, c'est tout. Je suis pas défaitiste. Soit il y en a déjà une qui m'a échappé. Hein. J'avais trouvé une sacrée ferme. Une sacrée ferme. Je veux dire, maison. Partie maison. Donc en haut, tu avais un appartement que tu pouvais louer. J'avais déjà prévu. Tu sais, j'en avais parlé déjà. Parce que je devais l'acheter, ça. Hein. On était passé au notaire et tout. J'en avais parlé déjà à des potes et tout, hein. Tu veux pas venir habiter? Je te ferai un petit loyer, machin, c'est histoire de me payer un peu le crédit, tu vois, tout ça. Et j'avais prévu de stocker des véhicules pour des gens, tu sais, parce qu'il y avait une grande grange, une grande étable et tout. J'aurais pu faire mon atelier, ma piste de rallye. Il y avait une grande forêt juste à côté de la maison, des terrains pas possibles. Enfin, j'avais tout prévu, quoi. Faire une cabane pour les gamins, on a la forêt, mettre une épave, tu sais. Un peu caché là, tu sais, moi c'est ça, je le ferais ça. Une vieille épave, je sais pas moi, une. J'en sais rien, une 4 chevaux, c'est un truc vachement vieux quoi. Et bien caché, bien rouillé là, tu sais, je la vernirai pour pas qu'elle rouille plus, je laisserai comme ça quoi. Une bâche au-dessous pour pas qu'elle pourrisse plus, tu sais, mais vraiment bien, le truc nickel quoi. Ça j'ai prévu, tu vois, mais. Une piste rallye pour que mes potes on fasse les cons. Qu'il fasse de la moto, tu vois, vraiment, on se régalerait, mon pote, mais c'est pas possible. Je veux dire, on n'arrêterait pas. Tous les jours, j'aurais un taré de slip qui fait des tonneaux dans le pré et tout, mais ce serait excellent. Moi, je veux ça. Hein. Je veux ça. Moi, je veux voir
Des flammes, je veux tout voir, moi, tu sais. Mes potes en train de dégueuler et tout, mais c'est certain, mon pote. Ça, c'est un truc. Mais voilà, ça se fera, voilà. Et je tiens parole en principe, hein. C'est longtemps que j'aurais pas trouvé. J'ai trouvé, hein. C'est un peu trop près de la ville, voilà. J'ai signé le compromis et tout, mais c'est voilà. J'ai un petit regret parce que moi, quand je délire à n'importe quelle heure, hein. C'est-à-dire, si à 3h59 la nuit, je dors pas et j'ai envie de faire trois tours à fond la caisse, je le ferai. Tu vois. S'il y en a un que ça y plaît pas, ça va finir en Mortal Kombat et tout. Donc bon, voilà, c'est pour ça que je vais bien choisir là où je vais vivre. Hein, parce que moi, je suis pas facile à vivre. Hein. Enfin, je veux dire, je suis pas facile à vivre. Je sais pas. Voilà. Je suis pas du style non plus boiserie, tout ça, mais. Et voilà, on n'est pas très loin quand même. Hein. Il y a encore, non, j'aime pas casser les voitures. Voilà. J'en récupérais des fois des pourris et tout. Bon, là, on fera la Marbella, par exemple, je veux une Marbella, c'est pour faire ça, pour faire les tours de circuit. Une voiture de neige, quoi, tu sais, décorée à. Tu sais, ouais, moi ça me plairait trop. Décorée 4x4 alors que ça n'existe pas, c'est excellent, quoi. Je vais conduire mes potes. Même des potes qui ne savent pas conduire, c'est histoire de délirer, de les voir paniquer, comment on fait pour freiner et tout, ça m'éclaterait, moi. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Je lui dis, je t'aime pétard et tout, c'est pendant qu'il roule, enfin, voilà, moi je suis. J'adore ça. Le néant, c'est parfait. Je veux dire, faut profiter de la vie, les gars. Faut pas. J'aurais dû le faire bien avant. Mais bon, on le faisait déjà. Mais on le faisait dans les rues, quoi. Donc forcément, c'est pas passé inaperçu, quoi. Et à un moment donné, ça coince. Hein, je veux dire, il y en a un qui est pas content, l'autre il sort la queue à l'air et tout ça. Et il a pas fini et tout. Et oui, c'est pas du goût de tout le monde. Hein, ça que. La ferme, là, il n'y avait personne sur 1 km à la ronde. Personne. Alors tu sais, tu pouvais en faire des trucs. Hein. Tu pouvais faire cramer tes trucs parce qu'il y en a. Moi j'habitais dans un lotissement, on va dire. Et celui d'en haut, il me cassait les couilles parce que je faisais cramer. Je faisais un barbecue parce que moi je prends un bidon, une grille. Tu sais, je fais brûler mes pubs. Tu sais, il n'y a aucune modif. Hein. Je fais brûler mes pubs et hop, ça réchauffe les saucisses. Je suis content, quoi. Et l'autre, il a vraiment marre et tout. Puis en plus, il est. Le problème, c'est qu'il mangeait avec nous, quoi. Tu sais. Donc en fait, tu aides quelqu'un, enfin, ou tu invites, et puis t'es un connard et tout. Voilà. Enfin, si tu veux, soit, ainsi soit-il. Mais voilà, c'est l'avenir dans lequel je veux vivre, quoi. Ici, je peux pas le faire. C'est pas totalement. Voilà. C'est plus à ma soeur qu'à moi, donc je ne peux pas créer de piste de rallye, je ne peux pas planter des arbres. Moi, ça serait de moi, j'aurais planté des arbres dans le Grand Pré, là, tu sais, au niveau du versant, là. Ça serait très joli. Et je ferais une piste là, c'est dans les marécages, parce qu'il y a les marécages là. Et je ferai une piste là, moi, ça se régalerait. La frangine pleine de boue et tout, tu sais, en train de chialer. Ah, ce serait marrant. Viens me chercher, je peux plus, je suis enterré, je suis à 10 mètres en bas et tout. Ah, moi ça m'éclaterait, moi je la laisserai là. Je la laisserai, ah, putain, elle va me tuer, elle va me tuer. Ouais, on ferait ça, ouais. Une piste de rallye. C'est marrant. Hein. On n'y crée pas tout le prix, j'ai jamais dit ça. Mais tu vois, le morceau qui sert pas, quoi. Le morceau qui sert pas, là où il y a la flotte, ça sert à rien, hein, je veux dire. En fait, c'est une rase, je pense. C'est une paire de rases, tu passerais dedans, c'est marrant. Au moins, j'aurais pas besoin d'aller au Bourbier, j'aurais ici, quoi. Tu sais, c'est cool. Là, le ministre de l'Agriculture, là, j'aurais envoyé là-bas hier, là, on aurait rigolé, mon pote. Ah ouais, ça déconne. Ah, il y a celui qui fait le meilleur temps et tout. Ah, on aurait rigolé. Ah ouais, ah, ça déconne. Moi, j'en rêve, ça, mais tous les jours, je le ferai. Il y avait les voitures que je roule toujours. Hein. Ah ouais, moi. C'est comme ça, hein. Il faut savoir conduire en toutes circonstances, hein. Soit vite ou pas. Moi, je suis comme ça. Je ne vais pas acheter une voiture pour faire ça. Enfin, la Marbella, c'est pour déconner, c'est pas pareil. Mais les tours de circuit, je ferai que les miennes. Hein. Ah oui, c'est je la casse, mais j'avais qu'à savoir conduire, quoi. Je veux dire, voilà. Ouais, c'est prévu. Les concours de billard, les concours de tout, quoi. De ping-pong, de babi. Je vais créer un babi avec des têtes qu'on connaît, tu sais. Et les têtes qu'on connaît seraient plus marrants.
Des meufs, un peu toutes, c'est très marrant. Il y a des personnages qui changent un peu, quoi. Toujours les trucs phrases, là, c'est pas. Enfin, voilà. Jeux vidéo, des tirs au but, tout ça, on ferait tout. On ferait tout. Il y aurait plusieurs jeux, tu sais. Plusieurs jeux possibles, et voilà. Et celui qui est le meilleur de tout, et celui qui a gagné le plus possible, c'est le grand gagnant, quoi. Il y aurait billard, il y aurait baby, il y aurait. Il y aurait, ouais, tennis de table, pétanque, course de voiture sur play, course de voiture ou autre, hein, un jeu un peu comme Crash Team Racing, là. Putain, j'adorais ça, trop bon jeu, moi. Un truc comme ça, tu vois, que tout le monde peut jouer, il n'y a pas de difficulté plus que ça, quoi. Ça, des tirs de basket, hop, alors, tu sais, on fait plusieurs traits, hop, tu marques au premier trait, après tu vas au deuxième, tu sais les marquer, et le premier qui a fini à la grille, et bien voilà. On faisait ça quand on était jeune. C'était, j'adorais ça. Bourré, hein, bien entendu, ça va de soi. Ouais. Ça, les tirs au but, enfin, ouais, les chandelles, des. On se régalerait trop. Mais c'est prévu tout ça. Ne t'inquiète pas, il faut me laisser le temps. Voilà, faut me laisser le temps. Pour moi, on fait la ferraille, on s'occupe un peu de ce coin-là. Ouais. Voilà quoi. De toute façon, je pourrais pas vivre ici, c'est pas possible. Hein. Ou alors il faudrait que je transforme ça en habitation. Et après, j'aurais plus de garage. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est possible si tu allais par là. Tu fais une dalle en ciment. Ma soeur, elle habitera à côté, parce que la maison d'à côté, il faut la retaper. Ça qu'elle est, elle est là. Hein. Et là, j'habiterai là, oui, c'est possible. Tu fais une porte pour communiquer en cas qu'il y a un souci ou quoi. Les chambres en haut ou en bas, j'en sais rien. Faut faire une paire d'ouvertures, là. Et je crois qu'il y avait déjà une fenêtre, je sais plus, ou deux même. Je crois qu'il y a deux fenêtres de ce côté. Là, tu fais une baie vitrée, là, avec un rideau électrique. Et j'ai pensé déjà, hein, mais bon, c'est pas à moi déjà. Bon, je pense que, voilà, un jour ou l'autre, peut-être, mais moi, je veux pas faire ça à 60 ans, quoi. Tu sais, à 60 ans, j'aurais plus la force. C'est-à-dire, je me nique avec les voitures, déjà. C'est pas possible. Je veux dire, mais la maison d'à côté, tout à fait réparable, quoi, je veux dire. Mais il y a eu taf, hein. Mais on a fait pire, non? Donc, je suis pas inquiet. Le toit a été refait il y a pas longtemps. Faut changer les fenêtres, faut tout refaire. C'est une maison de 1800, je sais pas combien. Donc, forcément, voilà, hein, il y a du vécu, quoi. Mais tout à fait faisable, hein, tout à fait faisable. C'est le truc, en fait. Je sais pas. Mais bon, moi j'ai trouvé, je vous dis, le truc est signé, donc voilà. Puis là-bas, j'ai tout. Là-bas, j'ai juste à créer, en fait, à créer ma petite maison, quoi. Il y a déjà les murs, il y a le toit. Il suffit d'inventer l'intérieur et c'est bon, quoi. Il y a l'eau, je crois. Il y a l'eau et il y avait l'électricité, donc faut remettre un tableau, mais ça y connaît. Hein. Il y a du potentiel, il y a un potentiel de fou. Il y a une location qui peut me rapporter énormément de sous. C'est pour ça que, voilà, faut pas que ça m'échappe, parce que là, c'est l'histoire de ma vie, je pense. C'est l'histoire de ma vie, c'est un truc, tu sais, de la vie, tu le sens. T'as un truc qu'il faut que tu fasses et tu sais que si tu le fais pas, tu n'auras plus jamais une occasion pareille, et là je le sens, tu vois. Mais c'est bloqué, j'ai signé. Donc là, et ouais, c'est con, hein. La première, j'avais pas signé. Je voulais signer. J'ai tout fait. J'ai tout fait. On a tout fait, ma copine. À l'époque, on a tout fait. Impossible de joindre le notaire. Je connaissais le copain de celle qui s'occupait de ça. Ça faisait le sourd. Enfin, bref, voilà. Et après, ça juge les gens, ça qui est bien. Et ça m'a échappé. Un jour, je passais là-bas avec la sasteresse. Parce que j'allais voir des fois, parce que c'était un peu squatté, cette ferme. Je passais des fois, je le disais à la propriétaire, je disais, je vais y faire un tour, voir si tout va bien. Et j'avais vu des fenêtres cassées. J'ai dit, putain, il faut que je le dise à. Elle ne répondait pas. J'avais envoyé au frère. Le frère me dit, oh, mais je m'en fous, c'est vendu. Je lui ai dit, comment ça, c'est vendu? Tu sais, c'était moi qui l'avais acheté. Ah, mais là, j'aurais tué lui. Ah, mais vraiment, son père pouvait pas le carrer, mais je comprends pourquoi. Hein. Honnêtement, ah ouais, oulala. Ouh là là, je embrasserai ton père, honnêtement. Ah putain,
Ah, j'ai pas aimé. Vraiment. Et il y avait une clause, il fallait garder le paysan qui était sur les terres, parce qu'il y avait un paysan dessus, qui est très sympa, hein, je le connais. J'avais rencontré, c'était la clause, il fallait que je le rencontre et que je sois d'accord avec lui de le garder sur le terrain pour qu'il mette ses vaches. J'avais dit, pas de souci. Voilà. Je regardais comme petit morceau pour faire le bois, hein. Le bois, le devant de maison, et puis lui, voilà, il m'aurait payé l'estive et puis terminé, quoi. Tout était comme il faut, clair, voilà. Bon, j'ai dit, ben voilà, et je vais aller voir le notaire. On a été la voir la première fois. Et elle me dit, oh, ça vaut pas grand-chose, le notaire. Bon. Et oui, c'est clair. Voilà. Mais moi, il me faut un prix, quoi. Je veux dire, vous êtes là pour me dire un prix, dites-moi un prix. Ah, mais je sais pas, il faut que je voie à la propriétaire, elle répond jamais ou je sais pas quoi. Je dis, c'est bizarre, on me parle toujours. Hein. Et une paire de journées après, parce que moi, j'arrivais pas à joindre, je dis, c'est bizarre. Quand même. Pas que ça m'échappe ou quoi, j'ai bien fait, hein. Putain, j'ai bien fait, j'ai senti mon pas. Et bien, il y a eu le paysan, l'a foutu dehors, hein. L'a vendu à un fils, voilà, quelqu'un que je connais, qui a les moyens, on va dire. Et enfin, moi, nous, on n'a pas les mêmes moyens parce que déjà, mon père était pas riche, et c'est même moi qui le dépannais des fois, donc là, c'est le cas contraire, hein. Voilà. Et du coup, le paysan, j'ai vu dans un bar un peu après, on faisait l'apéro. Et j'ai dit alors, t'es au courant, c'est pas moi qui achète, hein. Comment on va faire? Ah, mais tu sais pas la meilleure, ils m'ont foutu dehors. La clause, c'était de garder le paysan. Et bien, ils l'ont foutu dehors. Ils l'ont foutu dehors et il m'a dit, mais en plus, il y a eu deux sauts de table et tout, ils n'ont pas vendu au prix qu'ils te demandaient. T'imagines un peu? Et ouais, c'est ça la société aujourd'hui. Et après, on te dit, toi, t'es mauvais. Regarde-toi, mon pote. Enfin, bref, voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui je ne suis pas dans ma ferme, que je devrais être depuis 3 ans ou 4 ans. Je ne sais plus. En plus, j'avais été en 404 là-bas, avec mon voisin. J'en avais parlé à mon voisin, j'ai dit, je vais te faire voir un peu ce que je dois acheter là, tu me diras un peu ce qu'il en est et tout. Il m'a dit, eh ben moi je veux te vendre la 404, alors tu l'essayes. Et moi, j'en voulais pas, cette 404, je suis idiot, maintenant j'en cherche une. Et tu me donnes ce que tu veux, tu la prends. J'aurais eu 4 à 2000 balles, ça a été restauré de A à Z, la bagnole, tout ouvrant et tout. Magnifique, verte. Elle roulait trop bien, j'ai fait 50 bornes avec. Les vitesses passaient comme une Clio 2, comme même celle qui n'existe pas, la Clio, tu sais. Oh, j'étais con. Cette année, j'ai tout perdu, la 404, la ferme. Voilà. Mais là, on y serait, là, mais je m'en régalerais. Il y avait une cheminée de chaque côté, de chaque extrémité de la maison, c'était excellent. L'eau serait louée, tu aurais de l'argent qui rentre tous les mois, quoi, à part si tu prends un crétin qui paye pas. Mais ça, t'inquiète, je vais faire pour ça. Je vais faire et puis on demandera des bonnes garanties. Voilà. Et voilà. Et voilà. Premier projet immobilier tombe à l'eau. J'avais trouvé des maisons, mais elles ne me plaisaient pas. On ne pouvait pas bosser dedans, il y avait un dessous là. En dessous de la maison, tu tenais pas debout. Il fallait tout péter pour que tu puisses marcher. Tu pouvais pas faire le garage, c'est sûr. C'était pas la peine. Enfin, voilà. J'ai eu plein de. Si, une maison qui était à 30 000. Puis en plus, l'agence immobilière a misé, mais vous occupez les règles. Moi, je vous accorde le crédit. Voilà. Je vous envoie combien vous payez par mois et tout. Oh, ma copine elle me dit oh, non, on va pas vivre là-bas. Hein. Aujourd'hui, j'aurais une maison. Enfin, bref, voilà. 30 000, surtout. 30 000, tu mettais tes bagages. Il n'y avait rien à faire. Bon, la fosse. La fosse septique, comme il misait mon pote mécano, tu mets un bidon de 200 litres. Mais oui, la campagne, ça craint pas. Et voilà. Ouais. J'ai pas toujours fait les bons choix de la vie. Voilà. Maintenant, c'est pour ça. Maintenant, j'écoute plus personne. J'écoute moi. Est-ce que ça me plaît vraiment? Ben, je réfléchis sur la question. Je réfléchis beaucoup. Parce qu'il y en a qui veulent des réponses de suite. Moi, je dis non, non. Je réfléchis, je pèse le pour le contre, je regarde ce que je peux faire et tout. Après, je vous dirai. Parce que quand tu dis trop vite oui ou trop vite non, bien souvent, ah merde, ouais, c'était un bon plan. Ou alors, merde, il fallait pas acheter ça. C'est un plan foireux. Voilà. Voilà comment je suis, moi. Je suis pas que un mec habillé tout crado pour faire la mécanique et qui vous filme ses galères et tout. J'ai aussi des projets, comme tout le monde, quoi. Je veux dire, je ne veux pas rester comme ça toute ma vie. Hein.
à faire des araignées d'Obélix et tout ça, et se faire piquer par les araignées du plafond, par exemple. Non, non. Il y aura de la musique dans mon atelier, on fera des lives directement, il y aura la box à côté, donc ça captera à fond, enfin je veux dire, j'ai tout prévu, quoi. Voilà. Tout prévu. Une maison pleine de monde, comme avant. Moi, dans mes apparts, il y avait tout le temps du monde, pas n'importe qui. Hein. Mais voilà, c'était joyeux, c'était. Moi j'aime ça. J'aime le monde, mais le bon monde. Pas. Voilà. C'est excellent. Tu profites des gens. Voilà. Les gens qui sont montés dans cette voiture. Hein, comme je disais hier. Ils sont montés dans cette voiture, aujourd'hui ils sont plus là. Aujourd'hui, on les pleure presque. C'est ça qu'il faut profiter des gens. Il faut. J'allais dire, il faut pardonner, mais il y a des trucs qui sont impardonnables dans la vie. Hein. Je veux dire, moi, je l'ai eu vécu, je l'ai vécu un peu de tout. Hein. Je veux dire, il y a des trucs que je peux pas laisser passer, quoi. C'est pas possible. Et puis même, si tu laisses passer ça, ah, mais ça passe, on va essayer autre chose. Tu sais. C'est un peu dans leur esprit. Donc, il faut jamais, faut rien laisser rentrer. C'est comme les témoins de Jéhovah, pareil. Il faut jamais laisser rentrer ça. Parce qu'après, l'autre va te foutre dehors. Attends, mais je vais te faire. C'est pas bien ça, dis donc, on va ajouter ce meuble, on va mettre le Christ au milieu du truc et tout, c'est non, non. Non, non. Voilà, je grossis la chose, hein, mais j'aime bien. C'est pour histoire là, de mettre une note d'humour à tout ça, mais voilà, c'est ça. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va pas parler plus que ça, on est déjà à 1h45, hein, il y en a qui m'ont rouspété, d'ailleurs l'autre il parle de sa vie, c'est un philosophe, il sait pas faire la mécanique, c'est ses potes qui les font, hein, il coupe la caméra, il fait que dormir et tout ça, non, j'aimerais dormir, hein, je suis malade comme un chien, je suis noir comme un corbeau, enfin voilà. Mais bon, petit à petit ça avance, voilà, moi ce que je veux c'est ça, un semblant de résultat, et voilà. Aujourd'hui, je suis très fier, elle a démarré au quart de tour sans abîmer le démarreur, sans rien, sans bariner. Le ventilo tourne du premier coup, j'ai purgé moteur froid en plus, je trouve ça bizarre. Je suis bien arrivé, honnêtement. Et là, elle est à l'eau, mais je la mettrai au refroidissement. Là, c'est juste voir s'il n'y a pas une durée qui pète, tu sais, toujours faire gaffe. Parce que cette voiture, il faut qu'elle soit hyper fiable, comme avant. Alors la 205, ouais, la 205, ben la 205, j'en ai qu'une. Hein. Parce qu'en fait, j'avais laissé ouverte. Hein. Et ma soeur, elle me dit, parce que moi, je suis allé tout à l'heure. Voilà, je planque la clé, donc je trouve la clé, impeccable, j'ouvre. Puis elle m'avait envoyé un message, elle me dit, hey, j'ai clavé la 205, hier, elle a été ouverte et tout. J'ai mis la clé là-bas, etc. J'avais même pas remarqué. Attends, j'avais même pas remarqué. Et le pire, c'est que je cherchais la clé de la Xantia, je la trouve plus. Voilà. J'ai perdu la clé de la Xantia. Elle doit être dans une bagnole, mais je ne sais plus laquelle. Et là, c'est problématique. Hein, parce que je ne crois pas que j'ai le double. Je ne me rappelle plus. Ou alors j'ai le double. Ouais, j'ai le double avec le double de la 306 bleue. Mais bon, moi j'aime pas ça, perdre les clés. Là, c'est obligé. Une sacoche trouée. Voilà. Je devrais mettre classé par marque et tout. Voilà, épave, une sacoche épave, une sacoche. J'ai pas le temps. Je m'en fous, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. J'aurais qu'une voiture. Et putain, quand t'en as, je sais pas combien, encore, elles sont pas toutes là. Hein. C'est ça le truc. Hein. C'est 2-305 qui sont pas là. Une BX qui va arriver. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore sur le feu? Je sais plus. 1R5. 1R5, j'ai tout. Mais je ramasse pas, là. Je dis non, non, gardez-moi ça, on verra ça après. Puis de toute façon, entre 305, celle que je garde, parce qu'il y en a une pour pièce et l'autre que je garde, celle-là elle est pas prête encore, donc voilà. Faut débarrasser, faut. Dans les problèmes de santé, donc je respecte, voilà, je ne soule pas, etc. Mais elle n'est pas oubliée, ne vous inquiétez pas, moi j'y tiens à cette voiture, moi j'aimerais que soit là, le bourbier de la merde sur le tableau de bord et tout, bien sûr, j'aimerais même me torcher sur les sièges et tout. Elle n'est pas là, c'est la vie. Je veux dire, la nouvelle Broadway, ça m'étonnerait hein, que je fasse vraiment bien le con avec. Enfin, je veux dire, la bouillasse et tout, parce que vraiment, elle est belle, quoi, structure. Vraiment, l'intérieur n'est pas massacré, rien. L'autre, je m'en foutais, elle était massacrée. Je m'en foutais un peu.
D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai apprêté un peu, quoi, je veux dire. Hein. Mais moi, je suis très à cheval sur ma voiture. Hein. J'y tiens, je sais ce que c'est. Hein. La moindre pièce, quand tu changes, t'es content de la payer. Donc, ou de la faire. Hein, parce que voilà, quoi. Donc, ouais, une voiture, c'est comme une brosse à dents. C'est rare qu'on prête une voiture. Hein. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, ton pote est gentil. Ben oui, moi... Mes potes, c'est la plupart, je veux dire. Il y en a qui veulent pas figurer sur les vidéos, je respecte. Hein. Je les respecte. Peut-être un jour, quand ils verront que finalement, ben, c'est rien de se faire filmer, quoi, je veux dire. C'est rien du tout. Vidéo mécanique, promenade, machin, c'est rien du tout. C'est pas. Tu risques rien, hein, je veux dire. Non, non. Mais ouais, mais la plupart de mes potes sont sympas. Sympa, je filmerai un autre aussi. Bon, lui pareil, il est pas trop chaud, mais une fois qu'il aura bu 2-3 bières, il va se défouler. Et là, on va rigoler, mon pote. Hein. Oh putain, oh, lui. Et celui qui fait la motocross, mais alors là, c'est l'enfer. Lui. À lui, c'est un timbré. Il a eu fait le trèfle, il a eu. Ouais, lui, il monte tous les talus, il est cinglé. C'est pour lui que je voulais faire une piste, tu vois. Je la ferai. Hein. Ah ouais, faut qu'il monte sur le toit de la baraque, quoi, tu vois. C'est ouais, non, peut-être pas quand même, hein, parce que je vais le refaire à neuf. Donc, on essuie un peu le radiateur parce qu'il y a il était acheté, ça fait pas trop. Je crois qu'il y a le carreau sera bloqué. Et voilà, bon, ben je vais vous laisser, les gars. Parce que moi, je parlerai toute la nuit, mais qu'est-ce que je te dise de plus, quoi. Je veux dire, autant faire un live et puis je réponds à tout le monde en même temps, ouais. Ça serait même mieux. Hein. Je crois qu'on en fera même bientôt. Je sais pas quand, hein, parce que je suis débordé en ce moment. Je pourrais faire comme Eliacar, c'est faire la mécanique en même temps que le live, mais j'ai remarqué que le live, il y avait pas que mes abonnés. En fait, il y a tout le monde. Tous ceux qui sont connectés sur YouTube, ils peuvent voir ton live, même s'ils ne te connaissent pas. Et ça me fait un peu chier quand même, parce qu'ils ont peut-être pas le délire de la BX et tout, tu vois. Voilà. Et ils vont se dire, hein, qu'est-ce que tu fais, toi? Habillé comme un clochard et tout, tu sais, c'est ça, je m'y attends. Mais j'ai mon modérateur qui va, il va bosser un peu. Il va bosser un peu sur la clientèle. Il va sélectionner, il va faire le tri sélectif. D'ailleurs, je passerai te voir bientôt. Alors, je me rappelle plus, si tu parles avec le Facebook de ton fils, alors est-ce que tu t'appelles François ou Nico, je sais plus, un des deux. Voilà. Mais ouais, sache que je t'apprécie bien et je veux. Je tiens vraiment à venir te voir, oui, ça c'est clair. Mais laisse-moi un peu de temps. Laisse-moi un peu de temps, le temps de finir au moins ça et que je sois plus sur le grill, tu vois. Parce que le grill, il est bon. Il caille, tu vois, mais j'ai pas envie de me réchauffer comme ça. Un radiateur électrique, ça va suffire. Bon, allez, je vous laisse, les gars. Prenez soin de vous, profitez de la vie, on en a qu'une. Et à demain, certainement. Bye bye, ciao.